Vous avez 2 minutes pour gagner au Quintet Plus. Bonjour amis turfistes, je vous propose un bilan de la course de dimanche dernier avec une analyse des résultats comparés à mon pronostic et à celui de mes pronostiqueurs préférés. Ce dimanche 9 juin, nous étions à Longchamp pour le prix de la place Vendôme, une course de plat de 2000 mètres avec 16 partants. Revenons tout d'abord sur mes paris du jour. Un bonus 3 pour mon pari analyse avec 4€ à la clé, ce qui rembourse mes deux paris. C'est mieux que rien. Revenons maintenant sur mon pronostic de dimanche dernier. 6 chevaux sur 8 sont dans mon pronostic. Le 11, Shankir, a déçu, même s'il a des circonstances atténuantes. J'ai oublié le 9, Koshenko, qui est la surprise du jour à 58 contre 1. Pour mon bilan de la course, j'ai donc retenu le 9, Koshenko, et le 11, Shankir. Koshenko a réalisé une très belle fin de course, en se décalant de la corde et pour venir chercher la 4e place. Shankir, longtemps bien placé, a été gêné par le 1 en tête au moment du sprint final et n'a pas pu revenir. Depuis quelques semaines, j'ai mis au point une analyse chiffrée de mes résultats que je me permets de comparer avec 6 pronostiqueurs accomplis que vous pouvez rechercher grâce aux initiales utilisées. Cette semaine, personne n'avait le 9 Koshenko dans son pronostic, donc pas vraiment de très bons résultats. Pour le pari quinté, nous sommes 3 qui nous contentons du bonus 3. Après cette dernière course, voici le classement des pronostiqueurs. Malgré mon bonus 3, cette course me coûte la première place. Fla prend la tête à tous les niveaux. Bravo à lui! Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à découvrir mes livres en vente sur Amazon et sur mon blog trop de chance.com. Tous les liens sont en description sous la vidéo.